La tête du réseau serait le mafioso Costello. Celui qui s'occupe de faire entrer la drogue sera un de vos gardiens, Donald Sigouin. Selon nous, jusqu'à récemment, Laure Pelletier aurait été la trésorière du réseau. Qui a décidé de la faire éliminer par Pic Lavoie, puis pourquoi sont encore des suppositions. Calvaire. On pense qu'il y a une livraison de drogue qui se prépare. Ouais. Il y a 3 semaines, Sigouin a demandé qu'on le poste à l'entrée des véhicules commerciaux. Je pense que c'est par là que le stock va rentrer. Son transfert est approuvé par qui? Doucement, on veut savoir qui a approuvé son transfert, là. Mais là, la dernière fois qu'on a besoin ici, là, c'est que fassiez quoi que ce soit qui lui mette la puce à l'oreille. C'est pour ça que vous êtes ici. Faut qu'on s'entende. C'est Franco qui mène, puis il n'y a aucun geste qui est posé sans son assentiment, puis sans qu'il soit mis au courant. Nous autres, de notre bord, on continue de surveiller ceux qu'on a filés en ville, puis de votre côté. En dedans, au pen, il faut que ce soit nous autres. Ce qu'on veut, c'est que vous surveillez Sigouin, Costello et Bergeron. Mais sans que personne le sache. Faut quand même qu'on avertisse le directeur. Non, c'est pas nécessaire. Là, vous êtes les deux seuls là-bas à savoir ce qui se passe. Je veux que ça reste de même. Ni Sigouin, ni Costello savent qu'ils sont des sujets d'intérêt. Tant que ça reste comme ça, ça va être pour le mieux. S'ils ont un autre complice parmi le personnel, ça, on veut le savoir. Bonjour, monsieur. Savez-vous pourquoi on est là? Ça, c'est ma fille. Elle a été assassinée par un prisonnier qui a obtenu une libération conditionnelle. On a besoin de notre appui, hein? Le moyen le plus efficace pour soutenir, le plus efficace. En ouverture du colloque de l'inculpation à l'incarcération et de l'incarcération à la réinsertion, monsieur Alphonse Sirois de la Commission nationale des libérations conditionnelles déclarait que depuis 10 ans, le pourcentage des délinquants sous leur tutelle qui ont réussi toutes les étapes de leur réinsertion sociale n'avait cessé d'augmenter. Tandis qu'à l'intérieur, le colloque s'amorçait, à l'extérieur, une 20aine de parents et amis de victimes de détenus en libération conditionnelle se préparaient à affronter le froid durant les prochaines 72 heures.
Leur porte-parole, M. Hubert Brisebois, nous explique pourquoi. Il y avait un fils. Je ne l'ai plus. Pendant les 3 jours, il y en aura toujours quelques-uns parmi nous qui seront ici. Manifestants se trouvait notamment la mère de la jeune fille qui a été tuée récemment lors d'un attentat à la bombe à Montréal. Cet attentat qui visait une employée des services correctionnels n'a pas encore été élucidé par la police. Ça a fait crack dans ma tête. Dans ma tête d'un coup, crack. Comme un asti de gros crack. Fort, fort, fort. Puis je me suis retrouvé dans sa peau, dans la peau de la bonne femme, la mère. J'étais là, avec les autres, avec toutes les autres. J'en portais une chandelle, moi aussi. C'est moi qui avais le cadre avec la photo. C'est fucké. C'est comme un rêve. C'est fucké, je sais. Je sais, mais c'est le même pareil. C'est ça que j'ai senti. J'étais plus moi. J'étais elle. Puis c'était ma fille, puis... Tu peux pas parler à la mère, Alain. Ah, mais il y a un programme. Oui. Le programme de médiation de la justice réparatrice. Mais ce que tu comprends pas, on peut rencontrer nos victimes, on peut reconnaître nos torts. C'est une très, très longue démarche de médiation. Leur dire comment qu'on se sent. C'est pas pour toi, Alain. Je peux-tu parler, là? Je peux-tu finir? Oublie ça, c'est pas pour toi. Premièrement, c'est pas ton délit. T'as pas posé la bombe. T'as pas fabriqué la bombe. Si je comprends bien, là. Le gars veut faire le programme pour que le gars dise comme... que... peut-être c'est lui qui aurait montré à Piclaoua comment fabriquer la bombe. C'est ça qui s'est passé? Tant qu'il n'y a pas de délit, ça ne compte pas dans le programme. Parler à mère, t'oublies ça si t'es pas prêt à parler aux policiers de ton rôle là-dedans. Oui, l'as-tu fait? Fait quoi? Reconnaître que t'as eu tort. Leur as-tu parlé aux parents du petit gars qui est détruit? Non, non, j'ai pas été surprise. C'était dans les journaux, pas à TV. C'est certain qu'il y en a qui savaient que j'étais l'agent de Prescott quand il a tué le petit gars. Je m'attendais à ce qu'il y en ait un qui essaye de s'en servir et me mener. C'est ce qu'ils font, hein? Tu le remets à sa place? Ah, oh, c'était de la manipulation, ça, c'est clair. C'est ce qu'ils font tout le temps. Mm. Sauf... Tu sais, la petite voix, là. Tu sais, la voix, là, celle qui nous critique tout le temps, là, qui dit qu'on est de la marde, qu'on est tout le temps tout croche, là. Ben, celle-là, elle y donne raison. Raison à qui? À Bergeron? Oui, au fond, je devrais l'avoir, le courage de rencontrer les parents. Je devrais. Les regarder dans les yeux puis leur dire... Hey, maudite pensée de Boy Scout, hein? Comme si... un petit bon sentiment à marde. Comme s'ils auraient envie d'être ça, eux autres. De m'entendre lui conter mes problèmes de conscience. Si j'étais eux autres, là, je m'en verrais chier assez vite. Si j'étais eux autres. Pas un petit peu dur avec toi? Ouais.
m'en servirai pas pour passer aux États. Puis l'Europe? Consultant marketing. Tu trouves que j'ai l'air d'un consultant marketing, mon garot? C'est normal que ton agent se méfie. Faut pas lui en vouloir. Je n'en veux pas de se méfier. Je suis pas un ange, hein. Qu'elle pense que je fais ça juste pour gagner des points. Qu'elle me croit pas, c'est le prix que je paye. C'est un des prix, en tout cas. Il y en a d'autres. Comme ta femme qui part? Avec moi, au gars. Pas se faire. Excusez. Ce que tu demandes, c'est spécial. C'est surtout pas facile. Les rencontres entre détenus puis victimes sont des épreuves. Fais-toi pas d'illusions, ça marche jamais comme on pense que ça va marcher, c'est souvent décevant. Ah, je sais, mais... Ce qui sait, tous les coups que j'ai faits, je repense à pas deux fois. Faites mal à bien du monde, mais je repense à pas. Celui-là, par exemple, il me gruge. Je vais te dire ce que je peux faire. Je peux lui en glisser un mot. Mais ça donnera rien si de ton bord, tu fais pas un geste. Un geste qui dit « je suis prêt ». Une des premières étapes du programme, c'est la rédaction d'une lettre qu'on adresse à la victime. Dans ce cas-ci, la mère de la victime. C'est la lettre dans laquelle on explique pourquoi on veut la rencontrer. Dans laquelle on parle du chemin qui nous a menés à le vouloir. Tu l'as écrit combien de fois, la tienne? 5 fois. Tu pourrais lui en parler, Alain. Hey, pas une chamois, là, pas moi dans l'arrière. Peu de contrôle, le target sort avec un client. Un contact? Pas un contact connu nous autres, mais ça a l'air qu'ils se connaissent, en tout cas. OK, OP3, on l'établit contact 1, 2, 3. Tu prends sa photo pour la familiale. OK, c'est fait. Contrôle, Marcia Babineau du groupe 3 ne travaille pas avec nous autres aujourd'hui, hein? Comment? Qu'est-ce que tu dis à propos de Babineau? L'âne de noir au coin. C'est pas le VA Babineau du groupe 3, ça? L'autre gang de filature travaillait pour qui? Il était là pour les stupéfiants. Leur target, là, c'est celui qui a contacté le nôtre. Faubert est en train de parler avec le commandant. C'est aujourd'hui, ça? Ouais. On a un nom? Claude Boudria. Tu fais des stupes dessus depuis déjà un bout, là. OK, c'est une opération en cours depuis 2 mois qui est pas mal avancée, pareil. Mais leur sujet de surveillance, c'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est un vendeur. McCord. Lee McCord. Quand je suis au stupes, là, Richard Albert et moi, on a essayé de le coincer 1 ou 2 fois. Jamais rien donné. Des liens avec les Italiens? T'es certain. Ouais. McCord pourrait être celui qui vend au réseau du PEN. Vous sais-tu si les stupes servent déjà, ça? S'ils sont sur le coup depuis 2 mois, ils ont McCord puis d'autres sous écoute électronique. Ils ont peut-être enregistré des appels au PEN. Des appels au PEN, des appels au gardien Sigouin. Je rappelle leur commandant. Je lui dis de nous envoyer ceux qui s'occupent de ce dossier-là. C'est bien, ça. Okay. Tango 36 à Tango. C'est dans quel atelier encore?
l'atelier de maintenance. OK, merci. Salut. Hey, bonjour. Est-ce qu'on peut le laisser ici, lui? Ben, je fais confiance. Correct. Ben, je reviens dans 10 minutes, allez. À vous. Juste assez grand pour placer mes palettes de hache en arrière. Tu vois toutes les matelas, là, les cinq? Quatre. T'en gardes une, tu l'amènes avec toi. C'est avec celle-là qu'on va régler votre cote à toi puis tes prêts. Puis toi? Ta sœur s'occupe du taureau de ton compte à la caisse dehors. Mm-hmm. J'en ai besoin d'un. Il m'a demandé à Costello de me régler ça par intercaisse, mais je peux pas me servir du compte que j'ai avec Préjude. Quoi, tu veux pas qu'elle pige dans ton cash? Mais non, pas pour ça. Pour que tu me prends à Chris. Si je pouvais les aider, j'ai... Ils aideraient, mais j'aimerais bien ça les aider, là. Je suis supposé d'avoir arrêté de gaffer, fait que... Ouais, un gros dépôt, ça regarde mal. Écoute, je vais parler à ma soeur à soir, là. Si elle travaille pas, je vais lui demander de venir faire un tour à la visite demain. Vas-y donc, suite. C'est beau sur mon bord. Tout ce qu'il me faut, c'est le stock arrive sur quel camion, puis à quelle heure mon homme au kit débarquement. Bon. Le camion arrive vendredi. Lequel? Je te confirme ça demain, OK? Dans ta tête, là, hein? Ma vie avec les Italiens, vas-tu le dire à l'aumônier? L'aumônier, vas-tu le dire à mon agent? Me veux-tu de ce qui ne me regarde pas d'habitude? Non. Non. Ça fait que respire par le nez. Je veux vraiment le faire, le programme. Tu te vois assis devant la mère de la petite fille? Oui. Tu te vois en train de dire que tu regrettes ce que tu as fait? Oui. Puis c'est tout vrai ce que tu lui dis, hein? Oui. Puis la haine dans ses yeux, là. La vois-tu, la haine dans ses yeux? C'est peut-être une game pour toi, mais pas pour elle. C'est pas une game. C'est toi qui le sais. Vous avez établi un lien entre McCord et vos affaires? Établi un lien avec un réseau de drogue au Penn. Ton McCord, là, ça peut être le fournisseur de l'extérieur. Ça se peut, ça? Puis si c'était lui? On a des infos qui nous indiquent que le réseau va recevoir bientôt une autre livraison. Fait que ce qu'on aimerait, c'est suivre le deal de A à Z pour pouvoir identifier le max de monde impliqué. Éventuellement, pour les ramasser. Mais éventuellement, pour en trouver un qui se mettra à la table, c'est meurtre.
Gagné. Gagné serait le runner pour le réseau. Son contact, c'est lui. Le screw. Ouais. La victime, c'était une pourrie, elle aussi. C'est là dans d'abarnac. La filature sur Boudria, c'est pourquoi, juste? Il s'occupe souvent de transactions plus importantes pour McCourt. On est dessus depuis le début de notre enquête. Comme ça, il était pas juste là pour qu'on lave son auto, là. Là, le... On peut s'entendre qu'une enquête empiète pas sur l'autre? Ben oui, ben oui. Mais McCourt, là, c'est-tu notre vendeur? Rick. La priorité, c'est les homicides. Essayez, essayez. On peut s'entendre qu'on va essayer de pas tout fucker ce qu'on a fait de notre bord depuis deux mois. C'est ça. C'est ça, Rick. On va essayer. Okay. Qu'est-ce que tu dirais si on se faisait un petit cadeau? Trois nuits au château Montebello. On y va jeudi, je les appelle tout de suite pour réserver. Hmm? Qu'est-ce qui te prend? Dis oui. Dis oui. Mais en fait, t'as le temps, là. Ben, il y a un nouveau RSP, là. Il peut faire trois jours tout seul. Hum? Tu oui. Des émotions intenses. La tristesse, la colère. Puis aussi... la peur. La honte. T'en tiens, Chris. Pourquoi tu t'en tiens? Fais comme moi. T'as envie de prendre quelque chose, tu le prends. T'as envie de casser quelque chose, tu le casses. T'as envie de frapper quelqu'un, tu frappes. Réparatrice, c'est pas un programme de la pastorale, j'en conviens, mais on me consulte souvent. Oui, mais après que ce soit initié. Pas avant. Après. Demande d'apporter un soutien. Oui, mais une fois que c'est approuvé, selon les circonstances, si le détenu ou la victime le désire, oui, mais... Je m'excuse, mon père, mais à cette étape-ci, vous avez pas votre mot à dire. J'en conviens. C'est juste que j'ai peur qu'on soit en train de rater une occasion. Je me demande si... ce qui vous est arrivé récemment vous empêche pas de le voir. Je m'excuse, mais sa demande ne cadre pas dans le programme. Non, mais que Bergeron essaye de s'en servir pour me déstabiliser, là. C'est normal, ça. Mais l'aumônier, là... Peux-tu que je parle? Non, non. Je peux lui en parler en lui expliquant que c'est pas... C'est pas à toi de faire ça, là. Non, non, je te demande pas ça, là. Je veux juste que tu sois au courant, c'est tout. Je veux que tu saches que ma décision de refuser la demande de Bergeron a rien à voir avec rien. Sa demande est irrecevable. Sauf s'il y a vous. Ce qu'il a pas fait. Ce qu'il a presque fait. Presque. Mais tant qu'il n'y a pas de jugement... En as-tu parlé à Michel Parkin de ça? Il n'y a pas d'aveu, Bernard! Mike, c'est Bernard. Passons dans mon bureau, s'il te plaît. Ton agent de libération qui l'a rapporté à Parkin. Ouais, je la connais. Hein? L'affaire Prescott, le pédophile qu'on avait laissé sortir, c'était son agent. J'y ai parlé trois fois, là. C'est elle qui dit que Bergeron aurait des remords. Ça colle pas vraiment avec ce qu'on a sur lui à date, ça. Ben, il y a un enfant, par exemple, un petit garçon. Ça bombe à tuer un enfant. Vous devriez y parler. À Bergeron? À elle, avant. On l'amène notre bar, elle va nous chercher un aveu, puis là, on a de quoi convaincre Bergeron de se mettre à table. OK. Donc, t'as connu ton équipe? Ouais. Il y a une visite communautaire bientôt? Un samedi? Ouais, c'est ça, le samedi, là, comme d'habitude. Ils viennent de nous l'annoncer, là. Attention, Denis Tremblay à la visite.
me suis dit que toi puis Max, vous pourriez rester chez mes parents, puis... ben, après ça, ben... Vous êtes la gang le lendemain, tu sais. Juste une petite seconde. Hey, Denis, tu t'en sers? Ça doit, oui. T'oublies pas, mais... Ouais, excuse, fait que... ben, c'est sûr que ça veut dire... sortir Max de l'école la veille, mais en première année, c'est pas si grave que ça. Quand est-ce qu'il faut que tu leur donnes qui vient? Ah, je suis obligé de le savoir tout de suite, là. Dans une semaine, c'est cool. As-tu y pensé? Pas non. Je sais pas, Alain. Je te dis pas non, je vais y penser, mais je sais pas. T'es dans le Comment ça? Pas préparé. Bonjour. François? Transféré de la Colombie-Britannique au Québec dans quelques jours, puis se fait transférer ici. Ici, dans cette année-ci. Comment t'as su ça, toi, là? Sa cousine. Sa cousine? Celle qui travaille chez le Grec, j'ai que je vais manger midi, là, tu sais. Ah, ouais, ouais. Ouais. Elle me l'a dit, elle dit, ah, mon cousin, il a trouvé ça bien dur là-bas, il a hâte de revenir. Après ça. Elle m'a dit que ça en est ici, puis ensuite, elle m'a demandé si c'était ici que t'étais. Tu as dit. Fuck, Asti. Mais elle est pas au courant de ce que tu as fait à François, elle. Ben oui, mais là, Rachel. La conversation que tu as eue avec lui hier, tu ramènes sur le tapis Sierre Mort. Tu lui demandes d'être plus spécifique. Ce qu'il nous faut, c'est un aveu. Si Bergeron a fourni les plans de la bombe en sachant que la voix avait l'intention de tuer Laure Pelletier, Bergeron, c'est un complice. Puis on va l'accuser d'homicide. Mais s'il les a fournis en sachant pas ce que la voix avait l'intention de faire, on peut quand même l'accuser de complot pour avoir fabriqué un engin explosif. Dans ce cas-là, avec son aveu sur tape, on pourra éventuellement négocier une réduction de peine en échange de son témoignage. Ce qui nous permettrait d'arrêter les responsables. Vous pouvez pas me demander ça. Ça se fait pas. Je peux pas. C'est mentir. Non, c'est un subterfuge. On te demande pas de mentir, ni de promettre non. Des choses que tu pourrais pas... C'est mentir. Oubliez ça. Que les gars me mentent à tour de bras, c'est normal. Les gars, ils connaissent juste ça, mentir. C'est leur game, c'est leur vie. Ils me mentent même quand ils savent que je sais très bien qu'ils me mentent. Puis ils se mentent entre eux autres encore plus. Mais moi, non. Je leur mens pas. Je fais ça, je me brûle avec tous les détenus. Ça se saura pas. Tout ceci. Il y en a d'autres pénitenciers. Non, non, vous comprenez pas. Ça a rien à voir avec ma réputation. C'est pas ça, c'est... Je fais ça, je traverse la ligne. La ligne? Quelle ligne? Ben, la ligne. La ligne. Il y a une ligne, OK? La ligne, là, c'est celle qui démarque ceux qui mentent de ceux qui mentent pas. Dehors, c'est pas trop grave si la ligne se gomme un peu. Dehors, la zone grise est possible, mais ici, non. En dedans, t'es de ce bord-là ou de ce bord-là de la ligne. T'as traversé, tu te perds. Tu nous aideras pas? Je peux y faire part de notre conversation, je peux y dire que... Je peux y dire que vous voulez y parler, puis que... Sa collaboration va être notée dans son dossier. Je peux aller jusque-là. Je suis confortable jusque-là. Dans le cul, ton confort, puis fuck ta ligne. En veux-tu une ligne? Moi, t'en donner une ligne. Une ligne qui a rien à voir avec se donner bonne conscience, par exemple. Tiens, elle est morte. Les coupables sont vivants. Vous avez mal compris ce elle, que Elle, sa mère, s'en remettra peut-être jamais. Eux autres, ils s'en souviennent même plus. Hey, t'as pas compris ce que j'ai très dit? Bien compris ce que t'as dit. T'as dit non. Thank you.
C'est Monique. Je viens de terminer avec la fille du Pen. Elle va faire ce qu'elle peut. Je t'emmène de ses parents. C'est toi qui as fait le ménage à la salle de visite guichet? Ouais. Attends. Oui, Farley ou FGH. Tu voulais voir Denis Tremblay? Ouais, je te l'amène. Ton instructeur veut te voir. Je reviens, ce sera pas là. Oui, bonjour. Je peux vous emprunter, M. Bergeron, pour un petit moment? Oui, bien sûr. J'ai pas apprécié que tu aies été voir le père Gaboury pour lui demander de venir me parler à propos de toi. Je suis allé voir pour tes conseils pour lui demander. J'ai pas apprécié. OK. Puis j'ai pas changé d'idée par rapport à ta demande. OK? Peu importe ce que l'aumônier en pense, là. Cette décision-là, elle relève pas de lui, elle relève de moi. Il t'a demandé d'écrire une lettre. Mm-hmm. Si tu veux qu'on les prenne au sérieux, tes remords, ben, assume. Moi, j'ai dit à l'aumônier que tu te mouillerais pas. Que tu l'écrirais pas noir sur blanc, ton rôle là-dedans. C'est grave? Ouais. Ça doit parce que c'est pas ton genre. Il y a un gars qui s'en vient ici. Faut pas qu'il vienne ici. S'il vient ici, ça va aller mal. On peut pas être à la même place. On peut pas. Son nom, c'est Cassegrain. François Cassegrain nous arrive d'un max de l'Ouest dans 10 jours. Ton Tremblay t'a conté l'histoire? Il y a 4 ans, ils ont fait une bijouterie ensemble. Le propriétaire a été tué avec un 12, puis Cassegrain en a pris pour 25 ans. Tremblay a délié une sentence? Tremblay leur a dit aux enquêteurs où ce que Cassegrain avait caché le 12 puis les bijoux. Ben ouais. C'est compliqué, tabarnak. Empêchez-les de venir, c'est tout. Gardez-les là-bas ou envoyez-les dans un autre médium ailleurs qu'au Québec. Ben, il a le droit d'être plus proche de sa famille autant que toi. Je vais l'expliquer, la situation. C'est pas supposé être ta job, toi, Chris. C'est arrangé pour maintenir la paix. Oui, c'est le lien, mais c'est pas à toi de me dire comment la faire. Câlisse. Tu peux toujours demander d'aller en protection. Câlisse. Ou faire une connerie pour nous obliger à te transférer vers un max. Câlisse. As-tu d'autres options? T'en as une, hein? Ça, je pensais. Oui. Tremblay, c'est un chum de rangée de Bergeron. Mm-hmm. Je sais ça, ouais. Si tu continues, fais sortir Farley. Sinon, nos amis aux homicides vont nous taper ses doigts. Ben, il me semble que je devrais, non? Continuer? Hein? Ben oui, certain. Je vais les appeler. Salut. 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 Salut.
Il est prêt à dealer. Mais il veut pas le faire avec Jean-Paul, vu que ce soit moi. On l'a retardé en disant que j'étais pas dans la place pour vous donner le temps d'arriver. OK. De ce qu'il peut me donner? Ben, c'est un confident, Bergeron. Selon moi, beaucoup. Ouais, c'est gentil, là. Non, non, il va boquer. Nous parler, c'est une chose, vous parler. Là. En plus, ce qu'il veut, c'est une promesse. Hein? La promesse qu'on transfère Cassegrain ailleurs. Mm. Nous, légalement, on peut, mais toi? Attention, attention. Fin des activités. Retour en salle commune. Bon, il faut se décider vite. Il ne retourne pas dans sa rangée bientôt. Lui, il va falloir qu'il s'explique. OK, let's go. Je pense ça. As-tu l'autorité? Si t'as pas l'autorité, fuck you. Fuck you, hein? Je veux un papier, je veux l'avoir sur papier, je veux que ça soit signé. Cassegrain vient pas au Québec. Signé. Petit chocolat sur ton oreille à toi et soir avec ça? Ben, je niaise pas, là. Fait que t'es venu nous voir. Ouais. C'est toi qui nous a approchés. Mm-hmm. Aussitôt que t'as fait ça, tu savais que t'allais être prêt à tout nous compter. Pis si je crisse mon camp tout de suite, là? Si je crisse mon camp tout de suite, vous autres... Tu le feras pas. Tu veux-tu me voir l'affaire? Hein? Tu le feras pas. Parce que t'as déjà décidé que t'allais nous donner celui que tu vas nous donner. T'as déjà pesé le pour, le contre, le comment, le pourquoi. Puis ça te fait chier de le faire. Ça te fait chier d'être obligé de me parler, mais t'es obligé. Parce que Cassegrain met les pieds ici. Je sais que ça te fait chier. Puis je sais pourquoi avoir ça. Parce que celui que tu vas nous donner, c'est un ami. C'est un chum, hein? C'est quelqu'un qui t'a jamais crossé, qui t'a peut-être même aidé. Sauf là, Cassegrain arrive, Cassegrain s'ouvre la gueule. Qu'est-ce qu'il va penser de toi, ton ami, une fois qu'il apprend ce que t'as fait à Cassegrain? Il va-tu te défendre? Ça fait les dessins. Conditionnel qui est venu nous voir. Fait que le bout de discours sur les droits des victimes, là, tu veux dire? Qu'est-ce que vous auriez besoin pour être satisfait? Que le monde sache que ça n'a pas de bon sens de laisser sortir du monde dangereux de même. Regardez, là. Toutes des gens qu'on connaît qui ont payé pour. Ça n'a pas de bon sens. Et
What goes up must come down. Spinning wheel. Puis ta sœur? Mon compte? Ouais, ça va marcher. T'en dois une, man. Hey, rien. Bon, on se fait-tu une bonne petite sauce à spaghette? OK, tout à l'heure. Good, buddy. Passer une caméra ici, là, assez rapidement. OK. OK, fais-le. Ouais. Ouais. Fini ton tatou? Ben, je sais pas si... Ben, je le trouve pas pire, mais je voudrais peut-être mettre de la couleur, mais j'ai peur que ça ait l'air un peu... Non, des fois, même, il bon job. Ouais. Des fois, je trouve qu'il m'offre ses tatous, mais celle-là, je le trouve pas pire, hein, Chris. Le chapeau, là, le mouvement dans le chapeau, ouais. Il est cool. Hein, quand il aime le monde, ses tatous, ils sont beaux. Moi, j'ai remarqué, quand c'est lui qui les dessine, ils sont plus beaux. Mais quand c'est un gars qui amène le dessin, il est mort. Il est mort, c'est vraiment la tête. T'as vu ce genre-là?